Salut à ton caddie. Un peu d'argent gratuit pour vous. Quelqu'un a une idée de ce qu'on fait pour le 13-14 aujourd'hui? Moi, j'ai reçu un jeu de tractopelle. Il sera exactement 13h. Oh, vas-y, lance. J'y vais, présente. Le 13-14. Ça fait un générique en carton. Oh, les tocards. Eh, bonjour! Oh là là, il y a déjà du monde. Il y a déjà Tveng et Spooky Mike qui ont resub. Merci à vous. Bonjour Enouin qui a bougé une réunion pour être là. Je comprends, ça se comprend. Salut Chaneliette. Jessiel, même si bon, hein, Jessiel, tu voulais pas que ce soit moi, t'aurais préféré Sylvain, mais bon, hein, tant pis, tu n'auras que moi. Salut Sophie. Donogoro. Bah Zoé. Montreuilois. Bonjour à tous. Alors, on continue aujourd'hui. Alors, si vous n'étiez pas là hier, voilà, nous allons jouer à The World After. Un jeu point and click en FMV français. Et, hop, je passe tout de suite en petit. On s'était arrêté donc après une heure où je vais essayer de resituer, hein, même si c'était tellement touffu que peut-être que certains détails m'échappent. Mais nous jouons Vincent. Vincent, c'est un écrivain qui a fui le confinement parisien pour une retraite. C'est quoi? C'est dans le Puy-de-Dôme? C'est ça? Enfin, en tout cas, un peu plus au sud, à la campagne. Et là-bas, donc, il fréquente son ami Marc, qui est un peu trop porté sur la bouteille, et la femme de ce dernier, Julie, qui en a marre que son mari picole. Et. Parce que quand il picole, il fait mal les courses et il oublie d'acheter du gel hydroalcoolique. Et un jour, Vincent tombe sur une petite enveloppe qui lui dit d'aller dans les ruines d'un château, le château de l'Ours, près de chez lui, là. Et là-bas, que trouve-t-il? Une mallette. Et dans cette mallette, des indications mystérieuses et un revolver, enfin un pistolet. Le tout dans un monde truffé de QR codes qui donne accès à des vidéos un peu bizarres de Jean-Claude Dreyfus. Il y a une grosse vibe Lost dans tout ça, mais surtout à la fin on récupère un bouton pressoir et quand on appuie sur ce bouton pressoir on bascule dans un monde un peu plus nocturne où il y a le veilleur de nuit, un monstre bizarre. Et voilà, nous en étions là, nous en étions complètement là, et donc je vous propose de cliquer sur continuer. Charger la save. Ok. Nous sommes ici. Nous avons donc... Nous venons de revenir du château où nous avons échappé aux griffes du monstre. Oh là là, Donogoro qui offre qui offre à Sophie, à Fleurco Citron, à Tonton Yo-Yo, à Tromon et à Makusu. Oh super, Donolove, t'es le meilleur. Mais en même temps, ce jeu le mérite, je suis Thank d'accord. You. Félicitations, Sophie. Et donc, oui, on revient du château, nous sommes là, nous avons... Qu'est-ce qu'on a à disposition? Nous avons notre téléphone pour flasher des QR codes, nous avons une Thank notice. You. C'est stupide. Attendez, j'entends pas assez, je trouve. Hop. Voilà. Salut, Helmut Cool. Très bon pseudo. Donc ouais, on a une notice qui nous disait en gros, c'était quoi Tannhauser là? La porte de, il faut trouver la porte de Tannhauser. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, on a l'impression, hein, on s'oriente vers ça, que ce confinement serait en fait une expérience à taille gigantesque qui aurait enfermé des gens sous un dôme. Ouais, non, en fait, je sais pas. J'ai l'impression que c'est ça, mais. C'est dans Blade Runner, la part de ça. Bon, en tout cas, ouais, il y a cette idée que ce confinement est un leurre et qu'en fait, nous sommes enfermés, peut-être dans les limbes, peut-être dans une sorte de purgatoire, on ne sait pas. Et nous avons donc ce bouton, la télécommande, qui va nous permettre à tout moment, je pense, de passer d'une réalité à l'autre, en tout cas du jour à la nuit. Il y a de belles baraques dans le coin quand même. Ils trouvent toujours que les baraques sont belles et ça, c'est cool. Merci, Tromon, troisième mois d'abonnement. Mais... Quoi? Tu t'es abonné alors que tu avais eu un abonnement offert, mais c'est fou. Est-ce que c'est le même univers que Zanette? Non, je pense pas. Bon, attendez, j'ai envie d'appuyer sur le bouton rouge quand même.
Ok, donc du coup, on passe donc du jour à la nuit. Sympa l'éclairage. Sympa l'éclairage, c'est vrai que... on rigole, hein. Oh là là, Montreuil qui a offert aussi 5 abonnements, du coup, à Ramstes, à Chino, qui mérite bien. Thank you. À Excaliburn, à Simgate et à Dwarvenleaf. Oh là là, train de la hype, incroyable, le niveau 3 est terminé, c'est fou. Oh, j'arrive pas à me concentrer sur le jeu. Vous êtes fou, vous êtes fou. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Donc en fait, on passe d'une réalité à l'autre, et du coup, ouais. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, je pense qu'il y aura d'autres trucs sur lesquels cliquer en fonction de ce qu'on va faire, quoi. Donc on voulait pas recliquer sur le bouton plus par là parce qu'on avait peur du monstre. Mais bon. Alors le but là, c'était qu'est-ce qu'on devait faire? On voulait essayer de retrouver Julie, je pense. Julie et Marc. Ok, donc nous sommes devant chez Marc. En plein local. Toujours. Marc passe son temps à ranger son garage. Je vais recliquer un peu partout. Ok, donc je parle à Marc. La porte de Tannhauser. La porte de Tannhauser, ça te dit quelque chose? C'est pas un opéra ou un truc dans un film? Y aurait pas un bâtiment ou un lieu avec ce nom dans le coin? Désolé, pas que je sache. Pas que je sache. Ok, à plus tard. Et est-ce que je peux passer à la nuit? Oh! Pour une fois que Marc n'a pas les mains dedans. Pour une fois que Marc n'a pas les mains dedans. Si j'ai besoin d'un truc, je n'ai qu'à lui demander. Ok. Bon. Vers chez moi. Bon, allez, rentre. Je n'ai rien à faire chez moi. Ah, je n'ai rien à faire chez moi. Ah bah merde. Bon, attends. Si je donne la notice... Je ne veux pas lui montrer ça. Je ne veux pas lui montrer ça. Uh-huh. Je suis un peu perdu au niveau des... Bonjour. Bonjour, Pierre Mogin. Marc doit avoir confiance pour laisser son garage ouvert la nuit. En même temps, vu que dans le village, il n'y a que Vincent et Julie, il n'a pas trop peur. Une petite montagne? Ouais. Je n'ai rien à faire chez moi. Je n'ai rien à faire chez moi. Bah merde. Ah là là. C'est beau de nuit aussi. Crotte. Je peux pas repartir voir les vaches. Je peux pas repartir par là-bas. Parce qu'il y a le monstre. Donc ça c'est logique, c'est une bonne raison. Ah quoi que. Ah mais j'étais pas allé par là. Ah, il y a un nouveau coin du village. Superbe. Et oui, il y a un monstre maintenant, le veilleur de nuit. Il y a un QR code. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ah. Nous avons tenté tellement de choses. Tellement de choses. Mais il faut dire que nous avons eu le temps. Alors, un moment, il a bien fallu se résigner. Chercher autre chose qu'une solution au sens classique du terme. J'ai commencé à m'intéresser à des visions neuves, à des propositions audacieuses. Et je l'ai trouvé. Dumas. Oui, Dumas a été une trouvaille exceptionnelle. Ah oui, je crois que c'était lui, Dumas. Sa vision était... Certes différence, mais certains diraient hérétique. Moi, je dirais visionnaire. Dumas est un génie, un homme qui ne lâche rien, malgré toutes les critiques et menaces de mort. Oui, non, non, il a persévéré. Et moi, je l'ai soutenu, lui et toute son équipe, à chaque étape du projet. Il n'était plus question de trouver un remède, une solution classique, non. On nous l'a d'ailleurs suffisamment reproché.
Third Eyes Corporation. Le père et devient mystique. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a sûrement rien de mystique là-dedans. Tu quand même. Hein. Ou alors, c'est que la magie et la science ne font dorénavant plus qu'un. Ah, oui, nous a ouvert les portes d'un avenir meilleur. Nous ne cherchons plus une nouvelle manière de vivre, mais un lieu où la peur de l'extinction n'existera plus jamais. Eh ben, dis donc. Chouchou. Oui. Bon, bah, d'accord. Je ne peux pas escalader ce mur. Tu peux pas escalader ce mur. Est-ce que je peux aller plus loin? Non. Donc, je pense qu'il va falloir passer. Est-ce que le portail s'ouvre la nuit? Oh, un nouveau personnage, c'est Laurent! Putain, Laurent! Bonjour Laurent. Bonsoir, je peux vous poser quelques questions? Bonsoir, oui bien sûr. Vous n'avez rien remarqué d'étrange dans le coin dernièrement? À part une pandémie mondiale, pas vraiment. Vu comme ça... La porte de Tannhauser, ça vous dit quelque chose? Il n'y aura pas un endroit qui s'appellerait comme ça dans le coin? Je crois qu'il y a une formation rocheuse dans la forêt de Bresson que les gens appellent comme ça. Ah bon? Où ça? C'est un domaine privé, il se trouve derrière ce portail, mais comptez pas sur eux pour vous ouvrir. Je les connais bien, j'y travaille. Vous pourriez m'y emmener? Ah, j'ai pas le droit, désolé. C'est important? Ah, c'est oui. Putain! Il se roule un petit spliff en nous parlant. À qui appartient le domaine? À un couple de vieillards très riches. Ils sortent plus de chez eux depuis la pandémie. Je leur fais leurs courses et je m'occupe d'entretenir le domaine. Ils ont une sorte de grand manoir, mais j'y rentre pas. Je dépose les courses devant la porte, ils ont très peur. Vous êtes leur homme à tout faire, quoi. Oh, ça paye bien. Pendant cette période, c'est dur de trouver du travail. Vous faites quoi, vous? Je suis écrivain. Vous avez de la chance. Oui, on peut dire ça. Ils ont tous des masques incroyables. Ils ne croisent quasiment personne dans le village. C'est un petit village. On préfère qu'il n'y ait pas trop de monde. À ce point-là, c'est effrayant. Vous êtes pas d'ici, vous? Ça se voit tant que on ça. On préfère qu'il n'y ait pas trop de monde. On les mange. Y a-t-il un autre accès? Vous ne connaîtriez pas un autre moyen d'accès? Autre que la porte d'entrée? Je vois pas bien où vous voulez en venir. Ce n'est pas grave. Laissez tomber. Ah. Je ne peux pas escalader ce mur. C'est quoi ça? C'est vrai que Laurent il pourrait nous faire la courte échelle, mais il a pas très envie, j'ai l'impression. Je ne peux pas escalader. Je ne peux pas escalader ce mur. Attendez, j'aurais dû lui montrer la notice, peut-être. Menace-le avec le flingue. Le flingue, il est pas dans le... Je ne veux pas lui donner ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Reineke? Ne panique pas, ne panique pas. À chaque fois que j'appuie... Ça, bah, ça me fait passer du jour à la nuit, quoi. C'est quoi ce bouton rouge? Bah c'est le truc qu'on a récupéré à la fin de la première session d'hier. C'était dans la mallette. On passe du jour à la nuit. Bah je sais pas. Bon écoutez, je vais repartir par là. Tu n'as rien à faire chez moi. Faut toujours pas aller chez soi. Marc doit avoir confiance. Mais que faut-il faire?
Qui est-elle? Si j'ai besoin d'un truc... Lui demander, ouais. Une femme? T'aurais pas un truc pour ouvrir un portail? Genre une clé? Genre un pied de biche. C'est une blague. Non, j'en ai vraiment besoin. J'en ai un dans l'étagère juste là. T'as ma pince? Non. Ramène-moi ma pince. Mais on... Allez! Allez! Allez, prête-le-moi. Non. Allez! Non. S'il te plaît! Non. Prête-le! Lourd. Vous voyez pas, c'est derrière moi, mais il y a eu un succès insisté jusqu'au bout. Ok, bon, alors hop, on va lui piquer parce que on peut rien faire pour une fois que Marc n'a pas les mains dedans. Je suis un petit voleur, oui, parce que la pince on l'a pété. Hein. Ok, Gordon Freeman, nous y sommes. Mais si, j'étais allé complètement jusqu'au bout. Et je peux pas lui montrer la pince, je ne l'ai plus, elle a explosé. On va faire ça deux jours parce que sinon, si je le fais sous les yeux de Laurent, il va s'énerver. Est-ce qu'on a pété le pied de biche aussi? Ah oui, tu voulais... Succès déverrouillé, Freeman l'a déjà fait. Voilà. Je peux pas repartir en arrière. Je peux pas repartir en arrière montrer le pied de biche à Marc. Alors... Il y en a du boulot pour retaper ce tas de ferraille. Est-ce que je parle à Laurent, il va me dire qu'est-ce que vous faites là? Est-ce qu'il me connaît? Ah, c'est intéressant ça. Salut, ça va? Bonjour. Ah oui. Excusez-moi, mais on se connaît? Incroyable, il ne me reconnaît pas. C'est normal. Ce bidule remonte réellement le temps et nous ne nous rencontrons que ce soir. Mais il n'avait pas l'air de me reconnaître non plus, je n'y comprends rien. Non, je m'appelle Vincent, j'habite dans une maison pas très loin. Moi c'est Laurent. Dis-moi, la direction de la porte de Tannhauser, c'est par où? Enfin, je veux dire la porte antique, c'est bien sûr ce domaine. Ouais, mais vous êtes autorisé à être ici? Bien sûr, vous ne croyez tout de même pas que j'ai forcé la porte avec un pied de biche. Non, bien sûr, désolé. Le trajet est un peu dur à expliquer, vous êtes pressé? Oui et non. Bon, si vous revenez ce soir, je pourrais vous accompagner, au moins jusqu'au début de la forêt, vous aurez plus qu'à continuer tout droit. On ne peut pas y aller maintenant? Ah non, désolé, j'ai du travail à finir. Après tout, ce n'est pas très contraignant. Il ne sait pas que j'ai en ma possession un bouton pressoir magique. Je ne sais pas quand ce vieux machin rouillé a dû servir pour la dernière fois. Ok. Quelle pause, Laurent! Superbe. Il me faudrait une très bonne raison pour entrer là-dedans. Oui, c'est une grange qui fait peur. Il y en a du... Vous êtes toujours d'accord pour m'accompagner? Ouais, bien sûr, mais j'ai un problème, je retrouve plus mon téléphone. Vous pourriez m'aider à le chercher? Je peux pas partir sans. Un pas en avant, deux en arrière. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait de son téléphone? Bah donne-moi ton numéro, je t'appelle! Non, ça c'est mon téléphone. Ah oui, mais c'était une bonne idée quand même. C'est illégal. Non. Qu'est-ce qu'il a fait avec son téléphone? Bon, il a dû le perdre dans la journée. J'ai perdu le téléphone. Ok, dans la grange.
C'est vrai que c'était malin, l'idée de lui demander son téléphone. Ça aurait été hyper astucieux. Hop. Non, vous avez eu beaucoup trop d'imagination. C'était plus simple en fait. Il était juste dans la grange. Ah, merci. On va pouvoir y aller maintenant. Vous êtes sûr que le chemin n'est pas dangereux la nuit ? Oh non, vous plaisantez, y'a aucun problème. C'est par là, c'est très facile. Au fait, vous avez bien pris une lampe de poche ? Ah, parce que bon, attention ! Ça, dans la forêt la nuit, enfin... Laurent ! Ça va ? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous savez quoi ? Je vais me débrouiller tout seul. Pas la peine de m'attendre ce soir. Vous êtes sûr ? Absolument. C'était pour aider, hein. Au fait, vous auriez pas vu mon téléphone ? Dans cette timeline-là, Laurent va bien. On a perdu qu'un demi-Laurent, j'ai envie de dire. Bah, qu'est-ce que tu fous là ? Tiens, Vincent, c'est comme ça qu'on respecte le confinement ? Oh, et oh, Julie ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est la maison de mes parents. Ils voulaient voir leur petit-fils. C'est pas très sûr s'ils sont vieux, non ? Oh, ça va. Qu'est-ce que tu fais là ? Il va bien, pour le moment. J'essaie d'aller à la porte de Tannhauser, mais je suis perdu. Tu sais où c'est ? Oui, c'est pas très loin. C'est dans la forêt. Normalement, pour accéder, il faut passer par le domaine privé, mais on peut y aller par ici. Ah bon ? Ben bon. Quel est ce merdier ? Elle me fait peur ! Ah, je croyais qu'elle clignait plus des yeux. Où est Marc ? Il est resté au village. Il trie ses affaires dans le garage. Ah, il sait faire que ça. Où est ton fils ? Je le vois pas. Il est à l'intérieur, en train de jouer avec mes parents. C'est vrai, on pose vraiment des questions. On est un peu... On est un peu intrusif, quand même. Tu peux m'y emmener ? Non, désolé, je dois rester ici. Mais je peux te donner une carte. Je dois rester. Oui, ça serait bien. Est-ce que je pourrais te demander un service d'abord ? Oh non ! Ça m'aurait étonné. En fait, le petit a coincé son cerf-volant dans l'arbre. Est-ce que tu pourrais m'aider à le décrocher ? Ok, pas de problème. Merci. Comme si j'avais le choix. Effectivement, il est coincé dans l'arbre. Mais c'est non, c'est drôle. Comme si j'avais que ça à faire. Comme si j'avais que ça à faire. Waouh ! Ah oui, là, c'est... Putain. Mon Dieu. Ok, là, il y a des flèches. On va défoncer. On va défoncer le cerf-volant. Nota bene, ne plus jamais lui parler. Il me demande un truc à chaque fois. C'est vrai. Elle est fermée. Elle est fermée. Bon bah écoute. Tac, tac, tac. Tac. Ne le trouve pas s'il te plaît. Bah oui, je fais ce que je peux. Hein. Oh. Zut, j'ai perdu ma flèche. Nota bene, ne plus jamais lui parler. Elle me demande un truc à chaque fois. Où est passée la flèche ? Elle est fermée. Son fils dort avec ses parents. Quand j'y pense, je les ai jamais vus. Quel mystère. Que se passe-t-il la nuit ? Quoi ? J'ai vu un truc. Mon ombre. Je l'emmène toujours avec moi. Il me troll en plus, Vincent. Le cerf-volant n'est plus là. Ça veut dire qu'on va y arriver. C'est un bon motif d'espoir.
À la campagne, le ciel la nuit mérite bien d'être vu au télescope. Mais je n'ai pas le temps pour ça. À la campagne. Encore le télescope. Ouais, je vais passer de jour si jamais je trouve rien. Redevient le jour. À la campagne, le. C'est vrai que Marc, dans cette cave, il serait fou, quoi. Du coup, là, je suppose qu'on cherche une flèche. Mais pourquoi on prendrait pas ce grand... cette canne à pêche, là? Ah, ok. C'était peut-être plus pratique, non? Il y a une canne à pêche, là, pour... On peut pas récupérer un cerf-volant avec une canne à pêche? Ok. Ah non, je suis enfermé dans la cave! C'est vrai que la flèche, oui. Un escabeau, oui, non, il y avait plein d'idées. Et pourquoi la cave est ouverte de nuit et pas de jour? Une chaise. Escabeau de Marc. Mais je peux pas repartir pour revoir Marc. Ok. Bon. Bien visé cette fois. Tiens, ton cerf-volant. Super, le petit va être trop content. Tant que t'es là, je peux te demander autre chose? Oh non! Plutôt mourir. Non, quand même. Non, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire... Jamais je peux dire un truc pareil. Jamais. Non, quand même. Pas le choix. Merci Julie, sympa. Allez, salut. Vincent. On l'a bien mouché là, Julie. Ah, l'enfoiré. Hein. Quand même, hein. Ok, alors. Oh, un QR code! Les choses sont un peu longues à mettre en place. Quoi, il y avait un QR code avant? Ah non! Attends, lequel? Beaucoup de détails peuvent entraîner le refus du sujet, et même si... Il y en avait un dans le jardin? Purement hypothétique. Oh, on peut pas commencer avant d'avoir réglé les défauts. Sans quoi, les conséquences pourraient être graves une fois le système mis en place. Oh non, il y avait un... Dumas est persuadé de pouvoir nous sortir de ces impasses, et j'ai confiance en lui. Le directeur aussi, même si les différents contretemps le mettent dans une situation difficile par rapport aux attentes du gouvernement. Son obstination envers la privatisation du projet est un réel problème. Et je pense qu'on va au-devant de sérieux ennuis si on n'arrive pas à accélérer la cadence de nos résultats. Nous jouons avec des concepts qui, il y a peu, relevaient de la science-fiction. Mais c'est dans les périodes de crise les plus graves que l'humanité évolue le plus vite. Et une catastrophe comme celle de ces pandémies à répétition nous a mis face à notre impossibilité de lutter contre la planète elle-même. Il nous faut évoluer. Être plus que ce que nous sommes. Nous débarrasser de ce qui nous caractérise comme dangereux pour le reste de l'univers. C'est le seul but de notre projet. L'évolution. Ouais, je peux pas repartir en arrière. Ah, c'est terrible! Non,
on peut pas. Je ne peux pas les arracher à main nue. Je ne peux pas les arracher à main nue, tiens. Ah bon ? Ah, c'est pour de vrai ? Ok. Attendez. J'ai raté un QR code. Ça me rend fou. Okay. Y a rien d'autre. Reroll. Mais non, je peux pas. Là, je repartirai trop loin. Ah oui, mais il faut me prévenir, hein. Il faut me prévenir quand il y a un QR code. Le mur est trop haut, je ne peux pas l'escalader. Ok. J'ai fait une hache. La hache s'est cassée, tant pis. Ah non, la hache. Est-ce que le monstre est dans le coin, je n'utilise pas ça. Le monstre est dans le coin. Quelle histoire. Le monstre est dans le coin. Non, j'avance bien, mais j'ai raté un QR code, je suis triste. Merde. Je vais prendre mon repas et suivre ce live. Incroyable. qu'est-ce qu'on fait avec cette corde? Ah bah oui, on peut escalader. Corde plus mur. Elle ne tiendra pas toute seule, il faut. Bah attention! Ah, ce pied de biche, il nous sert tellement. Ça, c'est incroyable. Waouh! Oh, quel effet spécial! C'est beau! On a envie d'y aller! Le monstre est dans... Se lancer était fabuleux! Ok. J'espère qu'on pourra retrouver ce QR code. Mais c'est possible, hein. Faudra peut-être qu'on revienne à cette maison à un moment. Il y en a un là! Sont à nos portes. Le bruit de leur armée et de leurs chiens de guerre se rapproche. Au fond, Jean-Claude. Ceux qui n'ont jamais pu digérer, ce n'est pas la révolution de notre mode de pensée, mais bien le fait que cette révolution nous appartienne à nous et pas à leur petit gouvernement. Nous valons bien plus qu'un gouvernement, surtout avec ceux que nous avons trouvés. Mais nous ne leur céderons pas. Ils le transformeront, l'habilleront, en feront quelque chose qui leur ressemble. Mais ce projet, c'est celui de ma compagnie, la mienne. Oui, et je ne leur donnerai rien, pas une miette. Nous sommes arrivés dans des notions qui dépassent le flouze, l'argent, la caillasse. Ici, on parle de pouvoir pur et simple, le pouvoir de transformer le monde, la société, pour toujours. Je les entends approcher avec leurs armes, leurs soldats, mais je ne céderai pas, ma compagnie ne cédera pas. S'ils veulent leur monde d'après, comme ils disent, alors ils n'en auront que les cendres. C'est ce que j'ai créé,
ce que j'ai créé, je peux le détruire. Dumas, si vous regardez ces images, alors c'est que vous en êtes sorti, vous. Hein? Alors surtout, n'abandonnez pas. Ne lâchez pas une miette. Ah. L'humanité ne mérite pas votre invention, non. Au fond, elle ne mérite que ce qu'elle a obtenu. Son extinction. C'est le prof de théâtre de la Linos. Ah oui, ça c'est... Ça expliquerait beaucoup de choses. Incroyable. fou. Bon ben, allons-y, hein. Promenons-nous. Tu fais du théâtre, Linos. Ce serait bien. Ça lui ferait pas de mal. Il y a qu'un chemin là. Je crois que j'ai trouvé la route grâce à la carte parce que sinon on aurait peut-être été dans une boucle. Ok. Alors, où sommes-nous? Des gros galets. Et un QR code. Les choses tournent mal. Le directeur refuse tout compromis avec les autorités. Notre système lui appartient légalement et il lâchera pas le morceau. Et je le comprends parce que ce système est notre travail à tous et que le confier aux mains de ceux qui nous détruisent, c'est trop difficile à concevoir. Mais ils ont le pouvoir avec eux. Nous, on n'est que des petites choses terrées dans un bunker. Et on n'est pas capable de se défendre en cas de problème. Nous approchons d'un résultat qu'on pourra tester d'ici peu. Quelque chose de simple et d'idéal, d'une autre époque. Le problème vient aussi du fait que notre vision des choses ne correspond pas réellement aux normes morales communément admises. On risque de créer un rejet massif et les autorités pourraient utiliser ça contre nous et voler notre travail. Il faut qu'on termine le plus vite possible. Certains se demandent si on va dans la bonne direction, si on s'est pas un peu perdu en essayant d'atteindre notre but. Et Dumas est passionné et son enthousiasme est communicatif. Moi, j'ai jamais eu le moindre doute. C'est ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Je bénis la pandémie parce que c'est grâce à elle que je suis là. Et à la fin, tout sera parfait. Il le faut. Je bénis la pandémie. Bah, oui, ça a l'air d'être dans le futur, parce qu'à un moment, elle parlait de plusieurs pandémies successives. Ça voudrait dire qu'on n'est pas sorti... n'est pas sorti des ronces. La porte de Tannhauser. Je ne sais pas où est l'entrée. Où est l'entrée de la porte de Tannhauser? La porte de ta... Le monstre est dans... Ok, ça on peut pas... Il commence à faire nuit pour de vrai. C'est vrai ça. Peut-être qu'on pourra réinverser quoi. Le soleil est en train de se coucher, il faut que je fasse vite. C'est vrai. La porte de Tannhauser. Où est l'entrée? Où est l'entrée? Rien à lire là sur la notice. Le panneau. Où ça? Il y a un bouton sur le rocher. Tu vois ça là? La porte de... Attendez, je... J'ai plus le pied de biche avec l'un des documents. Notice plus porte. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Le flingue, je l'ai pas, hein. En plein milieu, mais je... Ah oui, là!
Pardon. J'avais pas vu. Merci, Sylvain. Prochaine ouverture pour rotation de surveillance du sujet à minuit. Prochaine ouverture pour rotation de surveillance du sujet à minuit. Ah, il faut que j'y retourne de nuit, mais le monstre... Ah, tant pis, je n'ai pas le choix. Le monstre. Eh ben, bravo, Thierry. Attention, il y a le monstre. Je ne crois pas, non. La porte de Talon. Certes. Il y avait un code. C'est à minuit, hein, donc. Moi, je dirais ça. Hein. Ah bon. C'est pas 0451. Hein. Ça bip là. Le 1664 de retour. Et donc je peux pas repartir manifestement, donc ça tout est là. C'était quoi sur la valise, ouais, 1472. Je ne... La porte de Talon... On va lire la notice. Je ne crois pas. Non. 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 Non, je ne veux pas faire ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? La porte de... Hey, bonjour aux viewers qui viennent du raid de Monsieur Béja. Bonjour à tous. Nous jouons à The World After. Point and click en FMV français qui est passionnant. Mais là, nous sommes sur une énigme. Nous avons besoin d'un code. Peut-être que je peux pas lire de jour. 1210, le retour du 1210. Et pourquoi il peut pas lire là les consignes? C'est fou ça. Il y avait peut-être autre chose sur ce panneau, j'ai pas bien fait attention. Prochaine ouverture pour... Prochaine ouverture. Je ne crois pas. Non. Est-ce que je veux un indice prochaine ouverture? Pas spécialement, mais moi je me demande si c'est une info que qu'on peut trouver ou que je suis déjà censé avoir en fait. C'est surtout ça. Le soleil est en train de... Je peux pas demander à Julie. Je peux pas bouger d'ici en fait.
C'est vrai que j'ai oublié l'info essentielle, c'est que ça se passe au temps du Covid. Je suis bloqué, Yann François. Merci pour leur aide. Mais bien sûr, j'ai poli. J'ai tous les éléments pour avancer, ok. J'ai tous les éléments pour avancer. Est-ce que ce serait... Est-ce que c'est... C'est minuit, mais peut-être que du coup c'est minuit en comptant les secondes. Donc ce serait 00000. On peut mettre combien de chiffres déjà? 8. Donc, je vais mettre que des zéros. C'est pas ça. Écrit soleil comme sur les calculettes. Ah, génial. Non, pas ça. Non, 8. Bon, bref. Il y a des flèches sur le clavier. Oui. Après, ce sont les flèches. Les flèches classique, hein, on va dire. C'est pas comme ça qu'on écrit ça. C'est vrai que je me suis raté. Reproduit la forme. La forme de quoi? Non. Forme de la notice. Forme de la notice, ça paraît bizarre votre truc. Non, je ne veux pas faire ça. Ça, j'avoue qu'il y a un truc avec ça qui clignote. Peut-être qu'en fonction des touches... Ah ! Attendez. Non. Quel moment est-ce que ça s'arrête de clignoter un moment? Nope. 792. Nope. Nope. Avec un flingue, ouais, ce serait pratique. Arrêtez avec ce 0451, enfin. Comment ça, je peux pas trouver le code ? Porte de Thanos. Bon, je peux pas trouver le code pour l'instant. Mais en même temps, je ne peux rien faire d'autre. Vu que je suis coincé. OK, on va retourner voir le panneau. La notice sur le ciel. Ok. Ouh.
Ah merde. Ah non. Non, j'ai pas compris. Oui, oui, on a cliqué sur la porte de nuit. Ou 079 peut-être, oui, effectivement. Non. 046. Je suis pour qu'on me mette ça là, de nuit. Notice sur le ciel de nuit, ça marche pas. Un truc. Heineken, t'as fait le jeu toute la nuit. C'est vrai que ça pourrait être genre tac, 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 comme ça. Tac, 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 tac. Oui, c'est vrai que ça peut être aussi... Merde. Non. Non. Ma 2, 4, 6, 6, 6. Je crois que j'ai fait, non? Les flèches 2, 4, 6. Non, ça j'ai fait aussi. Ouh là là, 6h, 10h, 2h. Hein, port au cercle. Et... Non, non, il n'y a pas d'indice dans les documents. Ça parlait de la rotation de minuit, ouais. Ah! J'ai fusionné les deux. Ah, ce sera... Ah bah oui, bah voilà. Ah, j'ai fusionné la map avec la notice. Ok. Du coup, je ferai 63 23 03. 63 23 03. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ben voilà, plus de piles. Non. Oh putain. Oh le headshot. Oh non, le monstre. Je suis sûr que c'est Marc. Ça ne sert à rien. Tout tourne en boucle, encore et encore, ce monde et les autres,
tous pareils. Ça s'est déjà produit et ça se reproduira. On ne peut tuer ce qui n'est pas vivant. On ne peut fuir ce qui n'existe pas. Oh mon Dieu, ce rêve, mais quel enfer! J'ai cette impression d'avoir raté quelque chose, mais je sais plus quoi. On a raté, on est passé à côté. Ah, je savais qu'il fallait pas prendre ce flingue. Ben, il fallait pas tirer, mais il fallait pas prendre le flingue, je vous l'avais dit. Oh non, terrible histoire. Vous êtes contents, les flinguistes. Oh non. Bon, bah écoutez, il est 13h56. Ché, pourquoi vous t'elle dit ché là? Mais énervé. Mais oui, non, il fallait, j'ai raté des QR codes, c'est vrai. Très mauvaise fin, me dit le succès. La très mauvaise fin. Demain, run pacifique et QR code. Nier Automata. Qu'est-ce qu'il y a dans les bonus, c'est vrai ça? Ah oui, il y a un visual novel, je crois que j'ai vu ça. Oh, il y aura un DLC gratuit. Oh, c'est fou. Ouais, il nous manque trois logs. Mais moi, je voulais lui offrir l'apéro au monstre. Il était adorable. Alors, je le trouvais assez mignon. À un moment, c'est vrai qu'il a un peu tordu le cou de Laurent, mais... Ah, quel fou! Mon verdict, bon, on a passé un super bon moment là en deux streams. Et comme je le disais, alors effectivement au niveau de l'écriture et des dialogues, surtout hier, aujourd'hui en fait, il y avait plus de second degré, je trouvais. Hier, on était vraiment dans un premier degré qui était hilarant, un peu nanar sur les bords. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais formellement, le jeu est super bien fait. Hein. Et puis. On voit qu'il y a des gens qui viennent du cinéma derrière, quoi. Il y a une vraie photographie, il y a une vraie réalisation, il y a des plans de caméra assez sympas par moment. Ouais, non, c'est plutôt chouette. Moi, je suis plutôt ravi. Et du coup, ouais, Reineke, comment tu savais alors? T'as fait le jeu? Est-ce que tu peux le dire d'ailleurs? Si je fais continuer, ça va me reprendre ma save d'hier. Ah, t'es allé voir le playthrough, tout bêtement. Ok, bon, en tout cas, moi, je vous laisse là. Peut-être qu'on refera une run, alors peut-être pas demain, parce qu'on va, on a d'autres jeux à faire, mais peut-être qu'on refera. Et puis sinon, effectivement, je vous encourage à aller chercher ce jeu sur Steam, si jamais vous avez envie de voir toutes les fins et de voir s'il y a une fin où ça se finit dans une sorte de grosses murjasses avec Marc dans son garage, où on s'enfile des bouteilles de vin. Oh, ce serait fou. Allez, bon après-midi, et à très vite. Et bisous.